Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu du matériel de vlog que j'utilise. Donc je parle de petit budget dans le sens où je n'ai pas de caméra, donc je n'ai pas d'achat de caméra, d'objectif, de batterie, de sac, etc. Moi aujourd'hui je tourne donc avec un iPhone 13 Pro, donc c'est celui qui tourne aussi cette vidéo. Donc avec l'iPhone 13 Pro pour vlogger, ça fait quand même des belles vidéos. Tout ce qui est short et vidéos longues que je vous ai postées pour le moment, tout est tourné avec l'iPhone 13, donc ça fait de la 4K 30, de la 4K 60. Donc voilà, c'est déjà plutôt pas mal. Je vous mettrai donc tous les articles, tout le matériel dont je vous parle en barre d'infos, mais aussi en capture d'écran juste ici pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi je parle, puisque la plupart de mon matériel est utilisé pour faire cette vidéo. Donc je ne vais pas pouvoir les montrer directement à l'écran. Et on va commencer donc directement par le son, parce que le son, c'est quand même ce qui est le plus important dans une vidéo. On a beau avoir des super paysages, une super caméra, si derrière le son grésille, si le son ne tient pas la route, on va pas rester longtemps sur la vidéo. Donc pour le son, moi j'ai pris les DJI Mic première génération. Les deuxième génération viennent de sortir, mais je suis pas bien placée pour vous parler des différences entre les deux. Personnellement, moi les premières générations me conviennent très très bien, le son est nickel. Donc voilà, ça se présente sous cette petite boîte là. Donc c'est une boîte de recharge. À l'intérieur, vous avez donc les deux micros, le récepteur. Donc voilà, j'ai un émetteur juste ici, j'en ai un autre là. Ce qui est bien, c'est que ça se fixe avec des aimants, donc vous pouvez le mettre directement sur un pull comme moi plutôt que de devoir l'attacher tout le temps avec un micro-cravate, ce qui est un peu plus contraignant. Pour tout ce qui est stabilisation, quand je ne le prends pas directement à la main, ça va être avec l'Osmo Mobile 6 de chez DJI aussi. Donc vous allez voir, je suis une grande amoureuse de DJI, j'adore tout ce qu'ils font. J'ai déjà le stabilisateur, les micros, j'ai le drone que je vais vous présenter juste après. Avec la ring light, donc la ring light que j'ai, c'est une petite ring light comme ça de chez Amazon. Ça doit coûter, je pense, une quinzaine d'euros. C'est pas mal. Ça fait pas mal de couleurs différentes. On peut changer un petit peu la luminosité. Donc ça reste quand même un outil un peu sympa pour faire du vlog. Et pour finir, ça, c'est mon indispensable. C'est le DJI Mini 3 Pro. Avec moi, j'ai la télécommande RC avec celle qui a l'écran intégré. Donc c'est hyper cool parce que ça nous permet d'avoir quand même notre téléphone dans les mains plutôt qu'il soit accroché ici. Ça évite la surchauffe du téléphone, ça évite qu'on se prenne des grands rayons de soleil sur l'écran et qu'on n'y voit plus rien. Donc vraiment, elle est vraiment pas mal. On a les joysticks qui sont derrière, qui sont à mettre juste ici. Et ensuite, je vais vous montrer la bête. Donc voilà, il est petit comme ça, il fait moins de 249 grammes, donc ça nous permet, si vous connaissez un peu en drone, sinon je pourrais vous faire une vidéo annexe pour vous expliquer un petit peu comment débuter en drone, les différents types, etc. Moi j'ai du moins de 249 grammes, ce qui me permet de voler dans plus d'endroits différents que si j'en avais un qui faisait plus de 249 grammes. Mais tout ça, c'est un petit peu technique, on verra ça peut-être plus tard. En plus du drone, moi j'ai pris les batteries de recharge, donc ça c'est hyper cool parce que les batteries, une batterie dure 30 minutes de vol environ. Donc du coup là, ça nous permet d'avoir 1h30 approximativement, c'est quand même bien quand on part une journée entière. Et avec le sac de chez DJI, j'en avais acheté un autre, mais celui-là est assez compact pour qu'on puisse tout mettre dedans. Donc j'ai pas trouvé utile d'en prendre une autre. Donc voilà, c'était tout pour le matériel que j'utilise pour vlogger. Donc même si c'est un petit budget, ça reste quand même assez conséquent. On peut enlever le drone, on peut enlever l'Osmo Mobile, on peut enlever la ring light si vraiment on est sur du débutant, qu'on veut se lancer, qu'on n'a pas beaucoup de budget. Il nous faut juste un téléphone. L'iPhone 13 Pro, c'est pas non plus utile. À partir du 11 sur la gamme Apple, je pense que ça ira tranquillement. Le micro pour moi, c'est impératif. Tourner un vlog sans bon micro, c'est comme faire du pain sans farine, ça n'a aucun sens. Et donc voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas en commentaire, dites-moi si ça vous intéresse que je vous en dise plus sur les drones, sur comment débuter en vidéo, etc. Dites-moi tout. Et je vous attends prochainement pour une nouvelle vidéo.